Venir toutes les semaines, les gars, un nouveau cast. Donc Carbone, effectivement, ça va être Chrome. Ça va être un Chrome. Et Falco pour Sikeus. Falco, ça marche. On est donc... Oh. Il y a trop de Falco. Ouais, bah écoute... Pardon, on va passer dans le match. Transition, c'est voilà. Parti. Le match va commencer. Tu alors. Peux nous mettre un grand écran. C'est... Ah, comme ça. Je sais pas. Alors je sais pas comment on fait, on faudra... Ouais, ouais, on verra après. Bon allez, c'est parti. Ouais. Donc pour l'instant c'est une domination de carbone, ouais, qui touche ses attaques plutôt bien. Après... Ouais, vas-y. Je, pardon, j'allais dire, Chrome, ça reste quand même un match-up, je pense. Le match-up reste quand même pour lui, tu vois, parce que Falco c'est surtout un anti-zoneur, et que Chrome il va te rush down la gueule avec un disjoint, et Falco il va... Il a pas trop d'outils pour se débarrasser de ça. Après le truc c'est qu'il me semble que Falco est pas mal rusher aussi, mais... Non, pas trop, c'est plus... Après il a évidemment moins de portée que Chrome, et je pense que c'est ça qui va faire la différence, quoi. Très beau F-smash, hein, ouais, là fait. Il l'a bien éjecté. Ouais, je sais pas si c'était en troupe finish après s'être fait taper par le laser, ce serait rigolo si c'est le cas. Bah s'il a calculé ça, mon gars, ouais. Alors je le connais bien, ça fait même pas un mois qu'il joue, quoi. Ouais, non, il a bourré, hein, on est... Bah c'est... Après je fais pareil, donc... Ah oui, non, mais on va je pas... Je fais le... pareil, mais c'est... Oh. Et ben, psyché... Alors j'ai cru qu'il y avait plus de range, mais là faut croire que Falco a eu plus de range qu'un épéiste, mais ouais, non, un peu mais... étrange. Écoute, un smash des deux côtés, la balle au centre. Ok, est-ce que Falco va choisir, ouais, il choisit de zone un petit peu, de prendre quelques vies, ouais. Et d'enchaîner ses combos. Mais tu vois ici quand même que il va punir. Ah, le punish a été loupé. Ouais, il a surestimé la portée de son smash. Ça arrive fréquemment chez les Falco qui jouent des épices juste avant. Sikeus, ouais. J'ai l'impression qu'il maîtrise pas trop ses combos, tu vois, les combos de base. Mais du coup, il essaye de compenser ça en ridant les options de panique de l'adversaire. Ouais, j'ai l'impression qu'il met beaucoup d'attaques dans le vide pour essayer de read, ouais, de read ça. Principalement, comme ce qu'on ferait par exemple avec un Shulk, généralement, parce que t'as pas vraiment de combo non plus. Ouais, et sauf en buster, mais il est en position de faiblesse. Il est en position de faiblesse. Ah, il a plus de pourcent, mais il a une stock de plus, donc il a le funny number. Excellent. Il est donc invincible jusqu'à ce qu'il se fasse toucher. Ah, voilà, bah, il s'est fait toucher, il est plus invincible, c'est terminé. Ouais. Alors, non, ouf, bah non, c'est non, une non, catastrophe. Non. Je sais pas s'il y a une ride ou s'il a non, paniqué. Non, je pense non, qu'il y a eu un instant de panique. Ouais, Psychéus a paniqué, il aurait simplement pu air dodge vers la plateforme, B pour tempo, side B. Après, il y a beaucoup de choses qui auraient marché, mais en vrai, je pense que j'aurais un peu paniqué aussi. C'est effrayant. Ouais, c'est effrayant cette situation. Ouais. Là, Psychéus qui sait pas encore faire hein, son up tilt back air. Mais je pense que c'est tous les deux des débutants sur leur personnage et que ça explique le fait qu'il ait pas réussi à sortir de ce F-Smash, honnêtement. Ouais, ouais, mais après, du coup, notre boulot après, c'est quand même de pointer les erreurs pour qu'il ne repasse plus. Très bonne tech chase. Ouh, ça, alors là, par contre, il l'a bien read, ouais. Ouais, il faut dire quand c'est bon, et là, c'est. Ça a très été très bonne tech chase, ouais. Après, pas besoin de savoir chaud pour être chaud, au cas par lui. Après, voilà, il a chopé plein de plateformes, ça fait mal, quoi. Mais c'était très joli. 1-0 donc pour Psychéus. C'était un match plutôt cool pour le premier. Ça se tient, on ouais, se réveille, ça chauffe. Ils ont fait des games de chauffe tous les deux. Il me semble que Carbone en a fait. C'est possible, je suis arrivé il y a pas longtemps, j'ai pas eu le temps d'en faire, donc je sais pas. J'en ai pas fait non plus, mais je casse, donc... Moi, on m'a pas accepté en match, on m'a dit que j'étais trop mauvais, donc bon... Comment ça, t'étais pas dans... t'étais pas là-dedans. Non, non, c'est juste que j'ai pas d'argent, hein. Ah, caster, okay. C'est gratuit, hein. C'est vrai. Ouais, je suis là pour ça, hein. Non, mais... Effectivement, si tu peux... Ah, ça part sur c'est un avantage. Bah oui, c'est l'avantage, c'est que c'est gratuit. L'avantage, c'est qu'on va pas t'appeler pour jouer, tu vois. J'offre du contenu, c'est tout, hein. Ouais. Alors, on va voir si Carbone va réussir à s'adapter alors, au jeu de son adversaire. Alors du coup, Battlefield, ça veut dire que là, il n'y a plus de plateforme ou de tech chase. Si, Battlefield, c'est... Ah oui, non, Battlefield non, ouais, pas destination ah oui, finale. Non, j'ai cru que c'était destination ouais. Finale, my bad. Un et stage qui est en général considéré comme un des meilleurs de Falco. Oh, attends, il y a un spot dodge super bien réalisé, là. Un pari, tu veux dire? Ouais. Ouais, bah... le saut aux zones rouges de Carbone, hein, le saut oh, rouges, je vous rappelle attends, que c'est. Mais... C'est quand vous faites edge guard, vous sautez pour revenir sur le terrain directement au lieu de vous accrocher au ledge. C'est quelque chose qui est très punissable et très facilement lisible et réactable également. Donc c'est considéré comme une mauvaise option de manière générale. J'ai l'impression que tous les deux se débrouillent mieux que la game d'avant là. Ils essaient de mettre moins d'attaques dans le vide et il y a eu pas mal de shield. Et pas mal de shield de bien placé. Ah bon bah là c'est. Ouais, oh attends mais. J'ai mis ça à Toigny, je verrai ce que je peux faire.
Psy qui arrive à tuer plutôt vite avec son Falco, alors que c'est un des défauts du personnage, mais il arrive plutôt bien à rire tout ça. Ah, ouais. Un combo, un début de combo. Ah, dommage, c'est intercepté par Carbon. Ouais, Carbon qui il utilise pas beau, il comment dire, il utilise pas la mobilité de son perso pour attaquer, tu vois. À chaque fois, il va dash, attaquer. Bon là, les air dodge, les spots, les rolls, pardon, faut peut-être un peu arrêter. Après, on part du principe que Chrome est. Je pense que Chrome est en désavantage sur Falco sur cette game en tout cas. Ah ouais. Ouais, ouais, c'est, la SD, malheureusement, c'est compliqué. Ça va être compliqué de revenir en 3-0, mais on sait pas s'il arrive à tuer Falco plutôt vite, il peut encore avoir une chance de revenir. Oui, bien sûr. Après, le problème de rester sur les plateformes, c'est que Falco a directement de l'ascendance sur. Je crois qu'il avait cramé son saut dans un combo. Ouais, il avait cramé son saut et il a pris trop de temps pour. Après, c'était compliqué de revenir sur celle-là. Donc, ce sera un 2-0 pour Psychédéus. Ouais. Psychédéus. Non, effectivement. Ouais, Psychédéus. Ouais. Toigny, bah écoute, je sais pas trop. En fait, j'avais essayé plusieurs choses.